J'ai toujours été passionné par la musique napolitaine. Donc j'ai fait pas mal de Cimarosa en fait, le mariage secret, le Mercato di Melmantile avec les talents lyriques. Et puis sans les talents lyriques, j'avais fait un Marito Disperato. Voilà, j'ai toujours une grande affection pour ce compositeur. Il a un génie mélodique extraordinaire et j'ai en général fait de l'opéra bouffe. Là, il s'agit d'un opéra seria, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la très très haute virtuosité faite pour des grands grands chanteurs qui étaient capables vraiment d'acrobatie extraordinaire. C'est moi qui ai fait le cast en fonction justement d'une partition très exigeante. Donc il me fallait avoir des calibres qui soient à la hauteur. Il fallait quelqu'un du calibre de Rocío Pérez que j'ai eu dans La Reine de la Nuit il y a 2 ans et qui est un jeune talent espagnol. Elle fait déjà beaucoup parler d'elle. Là, elle est vraiment dans un rôle à sa mesure. Elle fait des vocalises extraordinaires. Elle a les suraigus. C'est quand même une partition qui monte au contresol. Je pense qu'avec l'Olympiade, on se retrouve un petit peu dans les tout premiers projets des talents lyriques, c'est-à-dire Mithridate, l'Armida Abandonata de Iomeli, l'Antigona de Traetta. C'est vraiment le même type de rhétorique. On est en 1784 et donc on a ce chant extrêmement virtuose et très vocalisant. Et moi, la première chose que j'entends, c'est le jeune Mozart quand j'entends Cimarosa.